Bon, comme tous les Sénégalais, on vient d'apprendre la mauvaise nouvelle, la mauvaise et triste nouvelle du forfait de Sadio Mané. Les médecins de l'équipe nationale viennent de l'officialiser à l'instant. C'est une bien triste nouvelle hein, parce qu'on sait tous l'importance, le rôle, en tout cas capital que jouait Sadio Mané dans cette équipe. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Bon, maintenant, que Sadio Mané soit absent, cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire en tout cas de bons résultats à la Coupe du Monde. Bon, nous savons tous le rôle que joue Sadio Mané dans cette équipe, mais à part Sadio Mané, nous avons d'autres attaquants. Il y a les Ismaïla Sarr, les Illiman Diaye et autres. Je pense qu'ils pourront faire le nécessaire, ils pourront faire le job. En tout cas, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de donner de leur maximum pour que, en tout cas, cette absence de Sadio Mané ne soit pas sentie quand ils seront sur le terrain. Eh oui, le couperet vient de tomber. Sadio Mané ne jouera pas la Coupe du Monde Qatar 2022. La star planétaire, le deuxième meilleur joueur du monde, ne sera pas avec ses amis sur le terrain, mais il le sera en dehors du terrain. Nous souhaitons un excellent mondial pour les Lions du Sénégal.